Attends, mais il est où son ours? Pourquoi il n'y a pas d'ours? Attends, attends, j'ai rien compris. Mais tu l'as bouncé aussi l'ours. Mais non, j'ai bouncé que ça. Je Bah peux non, bouncer t'es en un. bounce 2. Oui, un, lui, un, moi. Oui, bah t'as bouncé. Ah putain, oui. Ah, il est où l'ours? Attends, il est où l'ours? Attends. Attends, vous avez vu l'ours ou pas? Var. La VAR. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va très très bien. Aujourd'hui, Simic contrôle. Simic contrôle le crabe de la grisaille, la terreur tolarienne, son no-kill. Et on va essayer de jouer un maximum de spells, d'éphémères et de rituels pour justement ne pas les payer très cher. Parce qu'ils ont la même capacité. Ils coûtent un de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans notre cimetière. Donc la terreur, on connaît, hein. On connaît, on a On connaît un l'habitude. petit peu. Tu joues en popper, tu connais. Voilà. Tu joues pas en popper, va voir ma vidéo popper sur l'autre chaîne. Crabe de la grisaille, pareil. Sauf que lui, il a le flash. Il arrive engagé si c'est pas notre tour. Et quand il arrive, on engage deux créatures ciblées. Donc en plus, ça fait le ménage pour aller mettre les petits points à distance. Enfin, à distance. Sur le tour d'après, on l'a joué en flash. Ça fait plaisir. À Pour distance remplir. dans le temps. À distance dans le temps, exactement. Genre, attends, j'arrive, je vais te mettre un petit coup de crabe. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a, à l'assaut de la tige de haricot, évidemment, ça fait piocher sur Terreur et sur Crâne de la Grisaille, ainsi que sur cette ville est trop petite, qui coûte 3 de moins à lancer si on cible un permanent que l'on contrôle, et on va envoyer jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés dans la main de leur propriétaire. Du coup, on peut le payer pour 2 pour bouncer un truc et renvoyer une créature qu'on va rejouer pour pas cher, ou bien hein, à l'assaut de la tige de haricot qu'on va rejouer pour repiocher des cartes, et ça fait plaisir. Pour remplir le cimetière, on a saisie de cache, qui va meuler 4 et reprendre un permanent parmi les cartes meulées, donc une tige de haricot ou nos créatures, ça fait plaisir. On a des petits tricks comme ça, volets de bois qui vont chercher un terrain de base ou qui permettent de faire anti-bet. Ça remplit le cimetière et ça permet de reprendre également un permanent. Analyser le pollen, on l'a vu avec ce que ça faisait dans les combos récemment. Un petit contre qui peut être un piocheur, ça fait aussi des bêtes. Alors, ça va être rare de tuer avec des loutres pour 1, mais ça permet de faire plein de petits Ça trucs peut. sympas. Carte qu'on n'a pas vu d'ailleurs jouer dans Bloom Burrow, il faut attendre 2 secondes pour l'avoir joué. Le petit passe-passe pour pareil creuser et remplir le cimetière, non pas avec son effet, mais avec passe-passe lui-même, et un bounce qui peut arriver à point nommé. Beaucoup de cartes de 2 secondes dans ce deck, aucune. En side, on a 3 choisissez votre poison, 2 lanternes Guidame, 2 silex de filigrane, 3 coups d'avance, 2 attraits de longue rivière, 2 négations, pardon, et 2 ballottes tenaces. Et on est parti? Allez, on est parti, let's On est go. juste parti. On remercie évidemment les sponsors. Plain Bad Magic Bazar, code Valépelle 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Et merci de passer par le lien d'affiliation Ultimate Garden dans la description pour faire vos achats chez eux. Ça nous soutient tout autant. Ça fait plaisir. Vous recevez ça chez vous. Let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ultimate Guard et merci beaucoup aussi à Label Card qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez participer dans l'espace commentaire en laissant un pouce bleu, en étant abonné à la chaîne et en laissant un petit commentaire. L'un d'entre vous sera tiré au sort et recevra un booster Duskmourne. Alors faites attention parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas claim leur petit présent, leur petit cadeau. On répond dans le commentaire, on vous envoie à une adresse mail, donc checkez bien si jamais vous avez des notifications sur YouTube quand on répond à un de vos commentaires pour vous avoir tiré au sort. Voilà, n'hésitez pas à venir du coup réclamer votre petit booster que vous avez gagné. Merci beaucoup à la belle carte que vous retrouvez aussi sur Vought plus de 4 fois par semaine à partir de 18h avec le code parrainage la belle carte 10 euros offerts. Ça fait plaisir. Et ça c'est cool. Jouons au premier. Ça, c'est un deck qui a quand même beaucoup fonctionné en ce début de metagame. Il a notamment fait des performances dans plusieurs top 8, notamment sur les challenges MTGO. Donc, c'est pas un deck excentrique, c'est un deck du metagame qui est joué, qui est populaire et qui a l'air assez fort. Je pense J'aime que tu bien. peux garder cette main, ouais. Alors, ça peut servir de kill dans les game grind, mais il faut passer par le niveau 2, niveau 3. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné à la deck tech. Parce qu'on peut, une fois qu'on joue un sort d'éphémère rituel, faire un jeton loutre. Avec la prouesse, donc c'est un snowball un peu, mais c'est 1, puis 4, puis 6. Bon, coûte un petit peu cher quoi. Là, on va quand même la mettre tour 1, ça fait plaisir. Vas-y, vas-y. Le petit talent chasse orage. On a un invité de marque sur cette chaîne aujourd'hui que vous n'avez pas vu depuis des années. Oh, Karl! Ceux qui étaient là, Putain, j'ai spoilé, pardon. effectivement, tu as spoilé notre invité, mais on a le retour de Karl Siondurza. Il est juste là et il nous accompagnera tout au long de cette Et vidéo. ça fait Pour plaisir. les plus anciens de la chaîne, je pense que Karl vous avait manqué. Moi, personnellement, j'étais pas hâte de le retrouver. T'étais pas hâte. J'avais pas hâte de le retrouver. Mais voilà. Il se trouve que Karl s'invite de lui-même. Ça fait plaisir. Je vais meuler. Oui. Voir ce qui se passe. Parce que si je retrouve ça, je peux le jouer. Je trouve un terrain qu'on va prendre, oui. Bon, bah c'est un peu gratuit. Je vais foutre ça. Surveiller un. C'est non. Alors, Dommage, il n'y a j'aurais que mis des petits 19 spells. landes, donc si tu pouvais en piocher moins, ça 1, m'arrangerait. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il n'y en a plus que 12. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Il y a 22% de chance de piocher un land là. Bah oui, c'est normal, hein. Donc, il y a plus. Oh, petit deck combo en face. On connaît ça. On vous l'a présenté sur la chaîne. Très bon deck au demeurant. Ouais. Alors. On fait pas grand chose là. Non, mais tu vas garder ton analyse et le pollen. On va pas aller chercher un terrain ici, ça n'a pas de sens. On pourrait épurer un peu le deck. Ah, je pense que là, à 23%, il est déjà bien épuré. Je pense aussi. Tranquille. De toute façon, c'est un des contrôles. Hein. Même si là, on a vu une loutre, on a mis 2 points. Ouais. C'est pas trop ça le but. Après, lui, il va nous tuer quand même rapidement. Donc, il va falloir quand même se bouger. Ouais. Eh ben, tu commences à être dans des... Attends, parce que tu peux pas upgrade ta classe si tu fais ça. Hein. Je l'upgrade pour reprendre un petit spell, là. Eh ben, je le ferai, moi. Les temps sont durs, hein. Ah, les temps sont très durs, mais franchement, un labyrinthe 2, et ça... T'apportes quand même pas grand chose. Enfin, théoriquement, les landes, c'est bon, tu vas plus les voir, quoi. Normalement. Je pense 21%. Que le bon play, ça reste d'upgrade le talent du chasse orage. On va prendre la gueule. La gueule en fait, tu creuses plus loin en faisant ça tout en upgradant ta classe, parce que le tour d'après, du coup, tu auras mieux fait que de faire ton labyrinthe de haie. Ouais. Je pense que c'est le play dans tous les cas. Tour d'après, yes. Tour d'après, je pouvais crabe de grisaille si je reprenais pas un spell. Et là, je vais peut-être quand même pouvoir crabe de grisaille. Mais tu vas quand même pouvoir crabe de la grisaille, sauf si t'as 2 landes. Ça dépend ce que mais c'est impossible que t'aies 2 landes, là. T'es à 21% de chance d'avoir un land sur le dessus de ton pack. Les stats pour en avoir un, c'est 2 fois une chance sur 5. Oui, sauf que... Ouais, non, ça marche pas tout à fait comme ça. On est beaucoup plus bas, du coup. Bah si, parce qu'on va meuler 2, et du coup, on aura une chance... 20%, mais tu vas... on a une chance sur 5. Bah tu vas encore baisser dans les pourcentages, en fait. Et donc, du coup, d'avoir les 2 collés, on est assez dans la stratosphère. Bah on baisse dans les pourcentages si j'en pioche un. Tu ne vas pas pouvoir avoir 2 landes sur le dessus de cette graine de l'espoir. En tout cas, attention. Je sens que tu y prendrais presque du plaisir et dans ce cas-là, ça serait de ta faute. Je prendrai un énorme plaisir à prouver que c'est possible. Je le fais maintenant, là. Allez, comme ça, on sait. Les maths sont d'accord avec toi, mais je pense que ça ne marchera pas. Comme ça, on sait. Vas-y, fais-le. Comme ça, on est fixé. Soyons fous. C'est bon. Bah, c'est bon. Il y en avait quand même un. Oui, non, mais d'accord. Moi, je te dis qu'il n'y en aurait pas 2. Ça va. Et du coup, tu vas pouvoir jouer ton crabe de la grisaille, tout ira bien. Je peux grid si je fais ça et que je trouve un non. Spell. Non, mais je peux. Oui, tu peux, mais ne le fais pas. Pourquoi? Je pourrais. Bah, tu pourrais perdre, ouais. Ah, je peux aller chercher un land. Et il coûtera 3. Non plus. Je peux. Ah, mais ah, tu joues pas ton crabe? Ah, il est flash. C'est flash. Ah oui, il est fort, putain. T'as pas écouté Adectech, voilà. Ouais, bête, quoi. Pourquoi on fait Adectech si ça coûte pas? Je pensais à mon speech là sur le sponsor, c'est quoi de la vidéo de Label Carte, celui qui vous permet de gagner un booster dans les commentaires pour ceux qui ont passé le début, bah vous le savez, vous pouvez participer. Ouais. Mais du coup, ils vont mettre juste un commentaire, pas faire les 2 autres trucs. Chut. Ah oui, ils gagneront pas. Ils savent pas qu'il faut être abonné aux chaînes que tu regardes. Beaucoup non. Bah en même temps, dédicace à vous, ceux qui venaient nous voir en convention, nous dire salut, je suis pas abonné. J'aime bien ce que tu fais, mais je suis pas abonné. Merci de regarder nos vidéos. Et vous n'avez aucune obligation, hein, nous on fait tout ça gratuitement. Hein. Mais j'avoue que c'est un peu triste. Cette phrase n'a aucun intérêt de prononcer devant nous. Mais sur le même tournoi à l'Orcana, j'ai affronté 2 adversaires qui m'ont dit « Je regarde ton contenu, j'aime bien ce que tu fais, mais je suis pas abonné. » Et ils ont presque pour se disculper ou se dédouaner, il y avait un peu « Putain, je suis en faute, je vais être honnête avec lui et lui dire que je ne suis pas abonné. » Et je lui ai simplement répondu « C'est abonne-toi. Dommage. Bah, abonne-toi. » Non, c'est gratuit. Abonne-toi. Oula. C'est cool. Tu sais que lui, il veut nous faire un petit coup de chapiteau, là. Oui, oui. Il va te chapiter, ouais. Ah, c'est bon, là. T'es parti. Ouais, je suis parti. Je suis mort, quoi. Non, mais non. Franchement, je pense que je suis bien mort, tu là. Tu fais passe-passe, qu'il va trouver peut-être un contre-sort, un truc comme ça, tu vois. Je regarde dans la liste le nombre de contre-sorts qu'on joue. T'as pas de contre-sort, Mendek. Mais imagine. Ok. T'en as un, t'as 3 step ahead. Eh, ouais. J'en ai un. Bah, du coup, t'es pas mort, hein. Passe-passe. Qui envoie de permanent, ça peut faire un truc. Ouais. Ça peut un peu interagir face à sa combo. Je lui fous 5 points déjà. Oui, oui. J'attends que ça là. Peut-être que dans sa main il a que des landes aussi, hein. On peut pas présupposer. C'est hein. Vrai. Il me faut que 2 mana pour faire des trucs, donc je vais faire un talent de chasse orage. Ouais, tu peux même un labyrinthe de haie. Labyrinthe. Non. C'est bon les landes. C'est marrant comme analyser le pollen là a été vraiment inefficace alors que dans le deck c'est super simple de collecter les évidences puisque tes bêtes coûtent 10 000. T'en meules une, c'est quasi bon. Bah ben ouais. Après tu t'enlèves une bête pour aller chercher une autre bête. Oui mais c'est pas autant pas enlever la bête.
Si. Plus tu la pioches, bah si, c'est mieux de la piocher, ça coûte moins cher. C'est Oui, zéro mais mana. analyser le pollen, ça te permet d'aller chercher celle que tu veux. Ouais, mais crabe ou l'autre, c'est pareil, non? J'aime la lumière, j'ai peur. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que l'un est bien contre aggro, l'autre est mieux contre contrôle. Chacun son bail, quoi. Tu veux que j'allume la télé? Allume la télé. Trop déçu qu'on puisse pas jouer. Mec, c'est Genre nul que tu puisses ça. pas lancer des jeux, tu sais. Ouais, une Un petite game quoi. petit Donkey Kong Country là qui arrive. On se met À d'où, la quoi? cool. Bah oui. Oh, c'est pas des terrains, sinon j'aurais envoyé deux landes là. Ça aurait été un Oui, peu il va prendre fort. en poule, regarde-le bien. Mec, je te dis là que dalle. Il passe turn là. Le mec dans les églises. Tu vas voir, je te le dis. Dans les églises, un pasteur? Non. Un pasteur, ouais. Enfin, c'est dans un certain type d'église, hein, bien sûr. Vous n'en trouverez pas dans toutes les églises proches Et de chez vous. les prêtres protestants. Allez sur Église Ils ont le Locator droit de pour se voir marier et l'église. d'avoir une famille. Bon, là, juste le notifie, j'étale. La culture de merde, là. La culture de merde. Ah, il n'a pas fait deux. Écoute, pour l'instant, moi, tout va bien. Je sais pas toi, tu peux bouncer son petit fouet de vigne, là. Pas maintenant, tout de suite, mais il y a peut-être un moment où ça aura de la valeur. Tranquille. J'ai même envie de dire tranquille Vincent. Ouais. Je le connais, celui qui... Ouais, qui te demande si tu veux Mais, quelque son... chose qui lui appartient. Tu veux quelque chose qui m'appartient? Oui. Ah la cool. Ah ben là, Ah la cool, on se fait combo à la gueule, un peu de Frankie Vincent. pas pressé. Mais en même temps, est-ce que quand tu te fais combo à la gueule, t'es pas content d'avoir un petit Francky Vincent qui tombe là, tu vois? Mec, Boons, moi cette merde maintenant. Le fouet de vigne. On va sur un matin engager toutes les cartes de terrain depuis au cimetière. Lui. Et ça. Non, Oui. celui qui est pas up. Ouais, Le faire. celui qui est pas up, ouais. Mais du coup, là, t'as Boons, c'est celui qui est up, je crois. Non. Si. Si. Pourquoi il s'est mis au-dessus l'autre? Le bon, c'est celui qui... Pourquoi il s'est mis au-dessus? Je sais pas. Ah, il est déçu là. Fin de tour. Fin de tour à toi. Let's Bon, il va le go! refaire tour d'après, on va crever, hein. Ben non, parce que tu vas Mais... piocher un contre-sort! Attends, mais il est où son ours? Pourquoi il n'y a pas d'ours? Attends, 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 j'ai rien compris. Mais tu l'as bouncé aussi, l'ours. Mais non, je bounce que ça. Je Ben peux non, bouncer t'en un. bounces deux. Oui, un à lui et un à moi. Oui, bah t'as bouncé. Ah putain, oui. Ah, il est où l'ours? Attends, il est où l'ours? Attends. Attends, vous avez vu l'ours ou pas? Var. La VAR. Ah, mais si, je sais où il est l'ours. Il est où? Il était pas 0-0 Ah putain, il quand il est était. arrivé. Il avait pas de land. Ah oui, il avait pas de land. Ah le C'est bon, je con. l'ai. Ah de qui le Ouais. En fait, con. il avait pas de land. Oui, c'est bon, on a vu. Merci. Merci le chat. Tu as envie de me Du foutre de coup. la gueule de. T'as pioché encore un land? C'est délirant. Si je suis très fort, voilà. Ouais. Je peux reprendre le bounce, du coup, avec ça. Donc en fait, je suis juste monstre. Vas-y, Monstre, vas-y. hein. Ouais, Juste. parce que t'as bien fait de te tromper du coup. Celui-ci. Qui me permettra de reboucler. Il me faut deux manas, donc je peux faire ça, ça. Rigueur. En fait, j'avais l'étal, non? Je fais ça, je mets un de plus. Monstre. Écoute, étonnamment, on est là. En vrai, si j'avais renvoyé l'autre, je pouvais quand même faire le play. Parce que je posais et Bon, il te posait j'upgradais. la nouvelle, ouais. Non, mais fallait que tu... Enfin, Ah non, ça avait l'air cool. je pose, je me grade. Ah si, c'est bon. Nissa, ça me va, pas du tout. On s'en fout si on n'est pas mort. Tant qu'on meurt pas, c'est bon. C'est dommage qu'avec analyser le pollen, tu puisses pas aller chercher un Picklock Prankster comme dans Loot Combo. Ça te donnerait du coup plus d'alternatives d'aller chercher une créature qui creuse dans ton deck et qui trouve des bons éphémères et rituels. Et en plus de ça t'auto-meule. Genre pourquoi y a pas un Picklock Prankster dans ce deck? Alors ça n'a pas de sens, voilà. Dites-lui. Je te le dis. Dites-lui, il est colère là. Mais non, mais toi tu sais? Ah non. Bah mettez des Picklock Prankster dans le paquet, quoi. Ça meule, ça participe donc du coup à faire grossir ton... Enfin, à Est-ce baisser que... le coût de mana de ton crabe et ça fonctionne avec analyser le pollen.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te demande de ne pas avoir beaucoup de... Même pas, puisqu'en plus ta graine là, comment elle s'appelle, celle qui meule 2, ça reprend un permanent. Donc du coup, ça reprend un Picklock Prankster qui est en plus un éphémère en rituel à lui seul. Donc ça fonctionne trop bien avec toutes tes autres cartes. En fait, c'est la meilleure carte du deck qu'on joue pas. Ben oui. Ah vraiment, je le crois. Hein. C'est terrible. C'est délirant même. Dans les commentaires, pourquoi il n'y a pas de Picklock Prankster? Celui qui trouve la bonne réponse, il gagne le booster de ce monde. Ah, je m'en fous. Y a plus de tirage au sort. On n'a jamais tiré au sort, voilà. Bon là, il va nous mettre un fion, si je peux en renvoyer qu'un. Cette ville est trop petite. Ah putain, mais pourquoi il coûte 5? Ah non, c'est bon. Je comprenais pas. J'ai eu très peur. Je suis obligé de dire oui, sinon je m'en reprends un. Je prends encore plus cher. Là, il tourne autour. Il est malin. Ouais, on va quand même pas réussir à te tuer, donc tout va bien. Et moi, je vais pas réussir à le tuer non plus. Je vois pas bien. Il y a un moment, il aura plus de spells, quoi, pour faire la combo. Tu vois? Et puis tu pioches un crabe, c'est létal, hein. Engage les deux bousins. Je peux, ouais. Je vais le chercher avec analyser le pollen. Exactement. Excellent. Bah du coup t'as gagné. Et non, parce que si je le cherche avec ça, je vais devoir enlever des cartes. Et du coup, je peux pas caster crabe. Y a peut-être moyen que ça passe quand même, on va voir. Pas grand chose. Hein. Ouais. T'as dit avec ça qui coûte 5 de base, puis là Moi ça je passe. pense que ça passe avec ça qui coûte 5 de base, parce que dans tous les cas, analyser de poème te coûte que 1 et t'as 1 milliard de mana dans la main. Bah ils arrivent à taper deux. Ah mais t'as 1 milliard de mana sur le board, pardon, j'ai dit la main mais je pensais au board. Sans le roussi cette histoire. Hein. Mais non mais c'est sûr que t'as assez pour le coup. Pour payer ton crabe. Vas-y, sacrifie toutes tes landes. Il n'a pas pris en. Et... Il fait Pas de mal, poulet. quoi lui là? Il te manque un chocobon? Ça me dépasse. Je suis dépassé là. Ah, mais comme il a spéléologie, il a pas besoin de prendre le mana? Bon, je pense que tu prends le mana en tous les cas. Bah ouais. Gratos. C'est gratuit. C'est Kratos même. C'est violent du coup. Il a sacrifié qu'une partie. Il va perdre la meule, hein. Putain, tu vois, un peu de meule là. Nickel. Le corner case. La faire en coin. Mais tu fais quoi de qui là? Tu veux nous tuer, mais ça va pas fonctionner hein, ton Avec histoire. plus que 10 cartes, hein. Je Ouais. pense j'attaque plus, j'essaye juste de le tuer à la meule. Non, Qu'est-ce que t'en tu fais penses? crabe létal, moi je préfère, vraiment. Du coup là, j'envoie celui qui Celui-là. peut pas rejouer. Exactement. Et je renvoie. C'est pas celle que t'as upgrade cette fois-ci, j'imagine. Ça te coûte que 1 à jouer, donc en vrai. Et justement, 1, 2, 3, 4. Comme tu veux. Je pense que je renvoie celle que j'upgrade si. Vas-y. Ça me sert à rien de la passer niveau 6. Je pense. Tu sais pas ce que tu débloques au level 6, hein, putain. Drrr. Ah bah si, je suis mort. Ah ouais, il avait 17. Eh ben c'est vraiment 5, dommage. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah mais je sais pas combien il avait de base. On va voir. Attends, pourquoi il y a autant de triggers? Ah mais non, c'est les triggers de Nissa. Ah putain, ça suffit. Yes. Yes. Dommage, dommage. On En n'était tout pas cas, loin. le gameplay est extraordinaire. Alors, en termes de guidam, sweep, sweep. Oula, le jeu. Ouah, le jeu il est plus là Il va quoi. pas bien, quoi. Les Ça, non. contre-sorts, tu peux mettre juste des negates. Négation. C'est quoi? Ça fait quoi l'autre truc là? Ça, c'est contre un sort de créature. Et si tu donnes une carte, c'est contre tout cœur. Tout court. De cœur. Et contre lui, si tu mets juste plein de contres, c'est échec et mat, non? Je crois que c'est bien, ouais. T'enlèves dans la gueule de la marée Ouais. parce que c'est de la merde. Ne dégueule pas. Oui. Voilà. Ah mais c'est bon, alors c'est moi qui gagne le booster. Tu sais pourquoi il n'y a pas de Picklock Prankster? Non. Parce qu'il n'y a qu'un seul analyser le pollen, tout simplement. Ah oui, on n'en Voilà, joue qu'un. fin du buzz. Tu peux enlever les 4 volets de bois aussi. Nickel. Allez, ciao.
Bah, du coup, faites une version avec 4 analysés et 4 picklock prankster, mais en vrai, jouer l'outre, c'est mieux. Ouais. Je pense que c'est mieux. Ouais. Alors, en tout cas, si tu veux jouer ça, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux que ce deck-là. Ça, c'est à débattre, mais... Bah, je pense que ce deck, il bat bien l'outre, par contre. Ah, je suis pas sûr, moi. Surtout après side. Ouais. Ah, bah, elle est là, la bête. Pas si obvious, là, ce que tu me racontes. Je pense que ça va bien. Si Mick Tempo contre... Tu préfères faire talent que saisie tour 2? Bah saisie c'est pour accélérer ça. Je peux faire saisie ça dans le même tour potentiellement. Ok. Non, je sais pas, peut-être qu'il faut pas. Moi je sais pas à quel point talent c'est bien contre lui, mais vas-y, si tu veux commencer à mettre un peu de presse, ça s'entend. Ouais, je me dis que le grignoter des points c'est pas mal. Allez, grignote-le un peu, le de qui? Bon, faut pas qu'il fasse face combo quoi. Oui, jouons les artois. Et ils jouent en les uns pour un. Ok, ok. Ça fonctionne. Donc là, je vais faire ça. Non. Est-ce que je la dépose? Ou pas encore? Bah, dépose-la, tu la craqueras quand on aura besoin. Parce que je loupe son trigger, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. Oui, en fait, tu cherches pas à cibler vraiment un truc dans son cimetière, tu veux juste qu'il en ait pas à l'instant où t'as choisi qu'il n'en ait pas. Comme ça, je peux lui mettre deux. Tout à fait. Et puis surtout, t'es mana efficient. Le tour d'après, comme ça, tu peux rester trois coups d'avance ou alors choisir de faire ton saisie de cash. T'es plus malléable. Je suis comme du slime, je dirais. T'es comme du slime, ouais. T'es comme de la pâte à prout. C'est la pâte à prout, l'ancêtre du slime, hein. Ouais. Littéralement. Bah, c'était du slime, juste on n'avait pas le nom. Mais pâte à prout, c'est plus vendeur. Je à l'époque. Aussi, hein. Ah, toujours. Tu préfères du slime ou de la pâte à prout, là, si jamais tu dois choisir? Ouais, je prends du slime. Ah ouais, tu prends du slime? T'as le côté prout, t'amuses pas? Le truc, c'est que pâte à prout, ça fait sale. Alors que slime, ça fait matière scientifique. C'est vrai. Le flaubeur, quoi. Le bon flaubeur, ouais. Ok, ouais, bah pour l'instant, l'opo, il fait rien. Tu vas juste rester up. Hein. Passe, hein. Ouais. Faire ça s'il fait rien, faire ça s'il fait un truc, faire ça s'il fait un peu de choses. Je boune ça. Je prends mon token, il coûte 0. Cette ville est trop petite. Je la sacrifie pour exiler son cimetière. En réponse, je la renvoie dans la main. Ça... J'exile le cimetière. Elle n'est pas sacrifiée. Les tricheurs font ça, ouais. Ça a l'air que vous êtes lourd là. Ça paraît compliqué pour lui après side, mais why not? C'est-à-dire que vous êtes très lourd là. Et la progénité, je crois que je contre ça. Je crois que oui. Je draw en fait. Dès que je peux, je draw des cartes. C'est la règle. Ça a l'air bien, hein, cela dit. En tant que j'ai ça, de toute façon, il peut pas trop combo, mais s'il me met un board de 6 pieds de long et qu'il me ping à distance. Oui, en fait, maintenant, vu que tu gères sa partie combo, fallait gérer son board. Ouais. Bien fait, hein, c'est très bien. Pas de soucis, quoi. Fin de tour. Oui. Là, on se fait un peu plus chier, là. Mais tu joues Simic Control, de toute façon, hein. T'étais pas parti sur un gameplay dynamique. Hein. Non. Nous, on n'est pas là pour se faire chier, pas se faire chier, on est là pour gagner. Et si le deck, il gagne, il n'y a pas de problème. C'est que c'est bon. Bah oui. Le meilleur moment, c'est la fin de la partie. Hein. C'est quand tu sais si t'es... Le meilleur moment, c'est la fin de la vidéo. Si c'est gagné ou pas. Quand on est libéré. Ouais. Quand le résultat est positif. Voilà. Les résultats, toujours. Je le renvoie dans la main, comme ça il peut faire une progéniture. Non. Ok. Ok, on n'est pas en train de gagner cette game, hein. Donc il faut pas s'auto-disrupter. Non, mais je demande. Oui. Proposition de play. Même quand le play est mauvais, ça a de la valeur. C'est pour l'écarter. Réfléchir à tout. Franchement, ça, j'en peux plus. C'est ma nouvelle. Nouvelle chauve-souris. C'est vrai. Bon, on joue en cag. En plus, il n'y a pas beaucoup de decks qui le jouent. Donc. C'est irritant comme carte. Ah, bah, il te ping, hein, donc. Ah, oui, nice. Oh, le crabe. Regarde la terreur. Regarde la terreur. Vais la terreur, comment elle est. Ouais, je vais terreur, je vais ça, je vais tout faire là. Bah, ouais. Ah, tu lui mets tout là. Ouais, je lui mets tout. Ouais. En vrai, j'ai ça qui me protège. Donc, je me tâte à craber. Pourquoi craber maintenant?
Je voulais engager, mettre, juste mettre craber, un point. Craber fin de tour, quoi. Ah, tu voulais mettre un petit point? Ouais, c'est... Parce qu'ensuite, quand je cogne avec ça... Quand je cogne, tu m'entends? Je cogne. Il en remet que 2. Je dis oui, hein. 2, je vais prendre 1, 2, 3 dégâts. Peut-être que 2, ça va, ouais. Je dirais que oui. Pour de qui ce que tu fais, c'est bien, mais fais-le vite, par contre. On le fait bien, on le fait mal, mais surtout, on le fait vite. De qui, s'il te plaît. J'adore cliquer sur les yeux. Ouais, moi aussi. C'est le principe de la taupe et le du marteau. Le guacamole, ouais. Je peux jouer longtemps à ce genre de jeu, moi. Mm. Moi, je hais les taupes. Donc, si je peux les exploser à coups de marteau sur le crâne... Ah. Taper sur ce qui dépasse. Ça fait plaisir. Boarf. Boarf. Franchement, boarf. Pas mal ton boarf. Je crois que tu vas juste récupérer, si cible ton enchantement, tu vas le récupérer, en vrai. Non? Je pense qu'il va casser ça. Et tu peux la récupérer aussi, je crois. Ouais. Du coup, des os de qui? Ah, il va vider un cimetière, par contre, ça c'est chiant. Ah, du coup, j'ai le choix entre jouer ça ou récupérer. Je pense que tu récupères. Moi, je joue le crabe. Il fait là-dessus. Je pioche une carte. Ou j'exile. Moi, je récupère. Tu veux pas récupérer ta lanterne? S'il a pas de combo, son deck est nul, hein. Et t'as encore la pression sur le board, t'as pas besoin d'un crabe. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'envoie quoi, du coup? Bah, tu renvoies la lanterne. Et. Et talent, j'imagine. T'es quand même en bonne posture pour le bourrer. Oh, je voulais foutre des crabes et mettre des nions, moi. Oh, je voulais mettre des nions. Ouais, mais s'il te tue en combo, t'as beau mettre des lions. Je voulais mettre des lions. Tu voulais mettre des lions, ouais, ouais, je l'animal. Sais bien. Ouais, ouais, ouais le roi de la savane, celui qui comme on gueule. l'appelle. Ouais. Le paresseux, là. Exact. Le boss. Exact. Du coup, je t'y fous un petit talent. Beaucoup moins efficace pour l'instant. Le crabe de la grisaille, il a la grisouille. Dans un tour, il est là. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu vois bien? C'est vrai que j'ai une facilité à piocher des landes, donc... Ouais. Je vais t'exiler. Ça m'a bandé. Voilà. Par pur esprit de vengeance, c'est ça qui dégage. En papier, vous pointez du doigt, vous dites « Je t'exile la carte bien chiante, là. » Ouais. C'est celle qui est bien chiante, là. Tu vois ta merde, là, ça dégage. Tu te doutes bien de laquelle je vais exiler, celle qui est bien chiante. Tu sais très bien laquelle c'est, de bien chiante, parce que tu la joues. D'ailleurs, elle est exilée pour tout le reste du tournoi. Tu la récupéreras à la fin. L'exilé pour la vie. Je vais déchirer la carte si ça ne te dérange pas. Tu viendras me voir à la fin du tournoi. Si t'es sage, je te la rendrai. Avec un mot dans ton carnet, signé par tes parents. Ouais, et que je te revoie pas à l'école avec. Hein. Enfin, au tournoi, t'as compris. Que je te revoie pas à l'école. Que je te revoie pas à l'école tout court. Voilà. Plus jamais. On va te transférer, mon petit gars. En même temps, tu joues une carte de merde. Et qui fait chier. Je suis désolé. Eh ben oui, non, mais sois pas désolé, il y a des colères saines. Colère saine, j'ai l'impression qu'il y avait un jeu de mots à faire, mais je l'avais pas. Non, c'est Madame Royale qui avait dit ça. Ah ouais? Elle a été aussi... Il y a fort longtemps. Elle a joué dans Star Wars 3. Madame Royale. Ça arrive d'être en colère. Oui, c'est pareil. C'est Padmé. C'est Padmé. Ouais. C'est Padmé qui dit à Anakin, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir tué un village. Ségolène Royale égale Padmé Amidala. La même personne pour moi. Oui, oui, bah finalement, en tout cas, elle s'est révélée. C'est vrai. C'est ouf. Mais c'est fou parce que je suis à peu près d'accord sur le fait qu'il y ait des colères saines, mais je suis pas d'accord avec l'utilisation qu'on a eu Padmé. Non. En fait, c'est plus Team Royal que... La fin de la phrase, c'était genre, ça arrive d'être en colère. Mais là, c'était déconné, franchement. C'est ça, la vraie phrase. Mais là, le village, les enfants, c'est abusé. Là, quoi. C'est déconné, quoi. Je suis désolé. On va pas pouvoir rester ensemble. Tu es juste un fou furieux. Ouais. C'est la suite de la discussion normale, en fait. Là, je suis sourire. Mais en fait... J'ai très peur. Il faut que tu partes. Donc tu pars de ma vie. Pendant qu'on se fait soulever, qu'est-ce que je fais, moi, avec cette merde-là? Bah, tu vas l'engager et bourrer. Bah, je vais mettre 7, quoi. Puis mourir. Non, et comment ça, mourir? Et là, j'ai pas de fenêtre entre meuler et mettre les landes. Non. Donc je dis oui.
Ou je réduis de 2 points de dégâts quand même. Ah, je sais pas, hein. Ouais, je dis oui, c'est bon, voilà. Vas-y, dis oui, on s'en fout. Trop trop lent, hein, ah, quand même. Ça te... Pas obligé. Hein. Beaucoup de. Ouais. Pioche une carte, comme ça tu peux peut-être trouver l'étal. Tu fais spell, buff buff, j'engage tes machins là. Et Salut, c'est Jean. Tu attaques pour l'étal. Si tu trouves un truc qui fait auto-meul plus spell, tu gagnes. 5, 6, 7, 8, 9. Ouah. T'as pas le choix de toute façon. C'est dur, hein? Ouais. Oui, j'avoue, c'est dur, mais c'est cool. Match up est assez dégueu. Alors peut-être. C'est bien d'avoir trouvé un des seuls. Putain de monde, un peu. S'en fout. T'inquiète. Fais-moi conf. Ailleurs. Tu fais conf ou tu fais pas conf? Je fais conf, mais attention. Il me faut ça. Vas-y, vas-y, fais conf. Il te faut ça. Ok, là, je peux le faire, là. Mais tu vas le faire. Allez, un land d'étape sur les deux. Tu peux encore labyrinthe ou pas? Non. Non, je crois que c'est Ah si, désolé. peut-être. J'ai mêlé deux landes, là? On est d'accord. Ouais. En plus, oui, Ah, c'est qui? tu Je l'as peux. fait. Là, je trouve spell que je mets au cimetière maintenant. Yes. Oh oui! Let's go! Oh, je suis content, tu vois. Là, il y a des victoires qui génèrent plus d'endorphines que les Celle-là, autres. et là, c'est la fin de cette vidéo. Non. Là, Ah bon? C'est la fin? Pourquoi c'est la fin? Non, non, attends, on va lui attraper la deuxième à ce malotru là. Ce malvenu même. on n'attrapera jamais la deuxième. Voilà. Mais bien sûr que Mais si. il est trop fort pour nous. Je crois Comment pas. le battre? Mec, t'as vu ce qu'on vient de lui mettre? Ça va, c'était beau. T'as pas la sensation que tu l'as un peu. Arnaqué? Oui. Fait une petite valse avec lui, quoi. T'as dansé avec son corps. Là, si je suis en papier, tu vois, avec je joue semi-contrôle, je fais. Bon, allez, hein. Et je joue mes cartes comme ça, je fais. Oh, bah tiens. Et pouf, je le tue. Oh bah l'étale, Hop, et j'ai pendant l'étal. la troisième game, t'as un sourire mon gars. Ouais. Un sourire. Pour moi, j'ai gagné la game. Ah bah parfait, Insane. ouais. Just insane. Ça me manque de pas avoir un petit tour. Hein. Oh, bah voilà. Comme dirait Eminem, just obscene même. Ah ouais? Il a dit ça? Là il joue à Magic, ouais. Ok. Sûr, hein? Oh, ça forme un œil. Je sais pas s'il a dit. L'histoire raconte pas qu'il l'a dit en jouant à Magic. On n'a pas tous les détails. On n'a pas On ne tous peut les pas être détails. sûr. Oups. Oh, il a Alors, que. soit il y en a une chie en main, soit les temps sont durs. Soit il a que dalle. Et moi, Partir du principe qu'il y a les que mecs dalle. comme ça, je les connais. Ils ont que dalle. Ils ont que dalle. Alors, on a que dalle. Tranquille, Il Fanta. me régale ce crabe de la grisaille là. J'ai J'aime envie bien, tu de vois, il va pincer les petites souris là, les petites loutres. l'appeler la grisouille comme un des personnages de Laura Felpin un peu, tu vois. Je vois. Je vois. Le 4. Il lantern. Ouais, d'accord. Ouais. Ah bah. Oh, j'ai bien réduit le coût de mes spells. Hein. Peut pas être plus d'accord là. Oh, j'y piocherai une petite carte, moi. Ouais, et puis tu gardes une petite negate, tranquille. Alors, c'est soit je fais lanterne negate. Non, je crois pas. Je crois que tu fais Sleight of Hand negate. Ok. Puisque là, en vrai, t'as pas d'intérêt à lanterne. Le tour d'après, il peut pas te faire de spell qui réanime du cimetière. Prends ça. Ah, ça, c'est déjà actif, remarque. Ouais, mais t'as ce qu'il te faut en Ouais, main. T'as j'ai déjà déjà une deux bêtes, moi. terreur et un crabe. Et comme t'as pas de Picklock Prankster. Et que leur copain que c'est tout. Et là, en vrai, va rien se passer. Hein. Par contre, le tour d'après, moi, je sais ce qui se passe. Ah ouais. Dis-moi ce qui se passe. T'as lui mettre une crabe et un terreur. Un crabe et un terror. Ça me va. Non. T'es Ah, je suis contre? désolé, c'est non. Ouais, juste parce que tu le peux. Ok, ouais. Je sais pas s'il fallait le faire, mais vu que t'as une Ouais, je... lanterne, je trouve que c'est fine. Ouais. Voilà. Sinon, j'aurais pas... Non, moi non plus. Analyste. Putain, il est bon. Et tu sais quoi, lui, il peut aller au Yémen. C'est ça le plus dur. Ouh, le bel analyste qui me le 3 là. Wow. Joli Amigox. Land. Je te propose graine de l'espoir, lanterne, terreur. On est comme ça ici. Je suis désolé. Je ne fais pas exprès. Tu es Même à la désolé, base, il y a mec. chier. Et pourtant, non, il n'y a que 19 landes. Hein. À la base, il y a chier. Trop de land tap. Te la dire que c'est le Ça. pilote qui fait pas d'efforts. Après, je ne veux pas présupposer d'une quelconque mauvaise intention de ta part. Ça fonctionne quand même, cela dit, parce que la graine de l'espoir est elle aussi Le utile. pilote, c'est celui qui propose les plaies? Celui qui tient la souris, malheureusement.
Terreur lanterne? Ouais. Lanterne terreur, moi, Ah, j'aurais fait. attends, je peux crabe. Plutôt. Ça sert à quoi? Commencer à Moi, mettre des je points, préfère ouais. terreur et crabe pour quand il s'y attend pas. Tu vas aplatir? Moi, je suis dans l'aplatissement. Moi, je suis dans le poulet. Je vais dans le sonore et le dégueulasse, comme disait le mec méchant dans Sin City. Pas méchant d'ailleurs. Je proposais de crabe parce que crabe il peut pas coûter moins cher alors que terreur si. Côté Ouais, 1. je pense que t'es quand même assez fine dans ta mana et le côté crabe, j'engage ton board pour bourrer me parle. Salut, c'est Jean. C'est j'en J'engage mon parle? board. Ah, dommage. Ah oui, j'engage C'est. mon board, tu vois qu'on l'a jamais fait. Hein. Non, parce que j'en parle, il n'existe pas en plus. Pas trop de. Un peu commun, Ouais. j'en parle. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas. Bon, j'allume une lumière là. On met nous une petite ambiance là. Ah bah désolé, mais ton board il dégage mon gars. Par contre, en réponse, il va pouvoir t'analyste. Du coup, je peux piocher une carte. Ah non, tu peux pas. Rien. Pourquoi j'ai 19? Ah, c'est pour les clous. Okay. Ah ouais, t'as 19 de CSM. Pour collecter les évidences, c'est ça? Là, il commence à nous faire des trucs. Uf. Un peu. Une analyste en main. Ça dégage. Ciao. Rejoue analyste. Oui, après là. Elle trouve 0 land. Ça va. C'est ok, c'est ok. Un land, ça va. Tu peux trouver un contre-sort, on en a rentré absolument 1000. Tu me rappelles combien on en a trouvé? Zéro. Voilà. Je te propose juste de acter qu'il a pas la combo et de le bourrer quoi. Je Tu gardes garde ça, c'est ça? bien, non? On a déjà un. Bah, la combo, elle nous tue qu'avec les lézards. Donc si je les viens les lézards. Bah, quoi Ok. que, on a déjà un de raison. C'est bon. Non, là j'engagerai, je mettrai les 5 points et je développerai une terreur. Ah oui, tu veux. Je sais pas pourquoi tu m'as dit non. Bah parce que j'engagerai avant qu'il ait une potentielle, un Ah, potentiel j'engagerai avec bloc. Crabe. Bah ouais. J'ai compris, j'engagerai la terreur. Ah non. Pourquoi t'engagerais la terreur? Ah oui, Bah, genre pour prendre des j'engagerais pour points. attaquer. Ah oui, non, mais j'engagerais son board pour qu'il te bloque pas, mais il est gentil. Alors, du coup, j'ai ça. Ouais, donc je vais faire Crabe et ça, je pense. Crabe cette ville, parce que Ben Crabe. moi je ferais terreur plutôt. Ah, t'as peur qu'il te tue à la combo ce tour-ci? Bah, un peu, ouais. Quoi qu'il a qu'un land. Non, peut-être que je peux terreur. Et s'il fait rien, je fais crabe. Et s'il fait un, tu fais crabe. Il y a un moment là, tu vas chercher le létal, mon gars. Là, je peux. Non, mais je voulais déposer une bête, mais je peux en déposer Parce que deux. là, double crabe, s'il te tue pas, il est sûr d'être mort. Hein. Il peut pas avoir 4 bloqueurs. En tout cas, j'y crois Ouais, pas. ouais. Non, mais c'est le mana vert en fait qui est chiant. Ça empêche de faire genre double crabe. Bah, la base est nulle. Mais c'est le standard. Avec ce qu'on a. En vrai, je te dis, on n'a pas de chance, quoi. Il n'y a pas de land simique dans les nouveaux lands là, de Duskmoon. Pas, j'imagine qu'ils y seraient sinon. Je crois pas. Il en manque 4 Ah donc c'est putain, je dois possible. renvoyer une terreur si jamais je veux bouncer, c'est terrible. Ouais, bon après là t'as pas envie de bouncer de toute façon en l'état. S'il te tue pas, tu bounces pas. Non, non. Donc ça va. Ah, il trouve un mana vert. Hein. Saligo. Parce que sinon je pouvais essayer de renvoyer ça en réponse, mais il peut le rejouer. Là, il fait que dalle. Hein. Écoute, j'ai bon espoir que ça se solde par que dalle, tout ça. S'il n'a pas un autre ours. Tu vois, j'ai bon espoir qu'à la fin de la game, tu puisses lui dire tout ça pour ça. Alors, du coup, tout ce boui-boui-boubou, ça n'a Ouais. aucun sens. C'est donc ça, tout ce Il tintouin. réanime, ok. Ouais, tu Il va avoir t'amuses. Tu 3 t'amuses bien, manas. Doki? C'est amusant ce que tu fais. Refait analyste, ok. Ok. Il peut pas analyste, analyste. Jusque-là, il se passe rien, vraiment. Jusque-là, c'est l'étal on board, donc. Pour l'instant, nous te tenons. Ouais. Un Oh, je lui peu renvoie ça en main. gourmand le Becky, le Ducky, pardon. Mana noire, messe noire, chaque finaliste. Bien joué. Ouais, ça nous tue pas quand même, hein. Ça refait une chier de mana. Il est un mana short. Il se sent partir là. Tu vois ou pas? Oh!
Il se Ah, je sent vois. vaciller. Il voit le crabe qui arrive. Il est au courant. Il sait ce que ça représente, tout Ah ouais. ça. Il sait que sur un Krabi, on va pouvoir incliner, justement. Ah putain, tu m'as incliné, ça y est. Oh, la game d'avant, on a gagné quand ça se passe mal. Et là, tu gagnes juste en faisant exactement ce qu'on a envie que tu C'est fasses. parfait. J'en ai engagé ces deux bêtes, monsieur. Je voudrais vous mettre 15 points, Je monsieur. voudrais Oh, avec proposer la 15. negate. Oh là là! Mais il est pas trop fort, ce deck, sans déconner. Tu veux que je te fasse un mime de la game? Ouais. Chef d'orchestre. Ah, complètement. Chef d'orchestre. Bouge, petit pantin, bouge. On a fait ce qu'on voulait de lui. C'était vraiment un vrai petit garçon. Je suis pas une marionnette. Et si, À la fin, il tu parle es comme une à la marionnette. fin, il parle comme ça, le type. Mais pourquoi je parle comme ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des échardes! Et oui, Pinocchio, Eh tu es oui, un pantin de bois. tu es juste un pantin. Et il est trop bien, ce deck, en vrai. Enfin, il est, comment dire, Simi-contrôle. très simple, tu vois. Tu sais ce que t'as à faire avec ça. Moi, j'ai l'impression, quand on a joué ce deck, parce que je l'avais vu dans les tops, D'ailleurs, t'as pas fait les bonnes sorties. j'avais vu la liste, non. Je savais ce que ça faisait, tu vois. Hein. Ouais. Mais quand on le joue, j'ai l'impression que t'es en mode, bon, ben, je joue une carte, je me l'ai un peu, je retrouve un truc, et d'un coup, oh, c'est bon, Ah putain, j'ai j'ai 20, gagné. tout! Oui, c'est C'est. ça. Tu fais un puzzle sans savoir que tu fais un Et puzzle. encore, on affronte un deck de merde parce que quand t'affrontes Un un deck deck de avec des merde. créatures. Non mais. Tu disais pas ça fin de game 1, hein. Fin de game 1, t'aurais pas dit. Sans l'affronter un deck de merde. Hein. Non mais. Si t'affrontes un deck avec des créatures, Attention. il y a des volées de bois quand même. C'est Tu fais vrai. des queutrues avec ça. Mais tu me cites des cartes qu'on pioche pas, donc de toute façon, ça change rien. On les a décidés. Par Encore, on contre, pioche pas. ça là, t'inquiète, j'ai tout pioché. Tout! Il y en a que 19 et t'as été tous me les piocher, ouais. Ouais. Et surtout, bien ceux-là, là. Je Ouais. voulais bien les land tap, là, qui font rien. Ah, je suis bien allé chercher. C'est vrai. Non, mais Nickel. le deck est bien. Il a Oui. généré un peu de frustration à À quelques quelques égards. égards. Mais c'est parce qu'on débute dans la simiquité Ouais. du format. C'est pour ça. Ouais. Puis comme dit un commentaire sur une de nos dernières vidéos, lol, ils disent que le deck leur chie dessus alors qu'ils font misplay sur misplay. Sinon, bonne vidéo. Mais il a trouvé que la vidéo était bonne et il Et a ça fait raison, on a plaisir. fait des misplays. En vrai, c'est un Ça fait commentaire plaisir. qui est mal tourné mais qui est très vrai. Oui. Et en plus, il est un peu mal tourné parce que je prends cette voix, tu vois. Alors qu'il a sûrement pas cette voix. Mais comme j'en ai aucune idée, je greffe la voix que je veux. Moi, je trouve qu'il a fini Doubleur. par le principal, c'est que j'ai apprécié. Merci. Mais je suis pas sûr de la fin. Il me semble pour mon esprit que c'était bonne Non, vidéo, c'est mais. sûr, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, t'inquiète pas. Super. Faisons comme ça, Doug. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnez-vous aux réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Apple, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle machine. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.